dans le premier chapitre, construire une pensée autonome et critique, nous voyons là la présentation qui dit « L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté doit permettre aux élèves de questionner ce qui leur semble évident, ainsi que de se poser des questions de sens et ou de société. Ce questionnement doit les conduire à élaborer progressivement une pensée autonome, argumentée et cohérente, et à travers la réflexion critique, ils apprendront à prendre position sur une série de questions controversées. Trois compétences, élaborer un questionnement philosophique, assurer la cohérence de sa pensée, prendre position de manière argumentée. »